Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations et des témoignages hors du commun. La femme enceinte et son docteur revenant. De quoi s'agit-il? Écoutons ça. Moi, je viens parler aux femmes enceintes parce que généralement, quand une femme est enceinte, elle crée en fait. Elle est en période de création. Et pendant que tu es dans un projet, moi, je pense que c'est mieux de remettre le projet entre les mains de Dieu, c'est-à-dire de prier, quoi. Et durant le processus, la personne qui a accès à ton enfant, il y a aussi la sage-femme. La sage-femme qui peut indirectement ou directement dit des choses ou bien réaliser des choses sur ton enfant, sur ton fœtus, parce qu'il est encore fœtus, donc même le sorcier peut l'atteindre. Voilà. Donc la dame faisait des visites. Elle avait son médecin, sage-femme, qui faisait les visites, qui la suivait, bref. Alors, au moment d'accoucher, elle est allée. En fait, au moment d'accoucher, son docteur, la sage-femme, a eu un accident mortel et elle est décédée. Donc, la dame ne savait pas que sa sage-femme est décédée. Donc, elle est allée à l'hôpital. Ce n'est pas Géricault. Ce n'est pas, ce n'est pas de loi, là. Je ne sais pas trop. Elle est allée à l'hôpital et elle était en travail. Il y avait deux femmes qui devaient aider la femme, qui devaient faire accoucher la dame. Elle n'a pas posé la question sur la dame qui suivait sa grossesse depuis le début. Donc, la douleur et tout, contraction sur contraction. Tu sais, au Cameroun, souvent, les sages-femmes-là sont fatiguées, dorment un peu la nuit, comme vraiment, on paye les gens pour aller dormir et non pour aller passer la nuit là-bas au travail. Elles étaient donc en train de dormir et la femme qui devait accoucher aussi était en train de dormir. Après, la dame qui est décédée, qui la suivait, est venue dans la nuit faire accoucher la dame. Donc, commencer à faire le travail jusqu'à elle a accouché le bébé. Et elle est partie avec le bébé, on ne sait pas où. Ça, c'est d'abord entre parenthèses. Alors, les deux dames qui étaient là, qui dormaient en fait, se réveillent. Elle dit, hey, toi, tu as accouché. Qui t'a fait accoucher? Elle dit, c'est mon docteur qui me suivait. Les deux dames se regardent. On dit, ton docteur qui te suivait, c'est qui? Elle donne le nom du docteur. Elle se regarde encore. J'en parlais, elle ne pouvait pas. Parce qu'elle sent que la dame est morte de quoi à la mort. Et la femme qui était enceinte ne savait pas, on lui avait pas dit. C'est comme ça qu'elles sont alors. Elle dit qu'en vrai, attends, c'est qu'elle m'a. On est étonné parce que la dame qui te suivait a fait l'accident, elle est décédée. Et son corps est à la mort. Elle dit son corps à la mort comment? Elle vous dit que c'est quelqu'un qui m'a fait accoucher, elle me dit que son corps est à la mort. C'est elle qui m'a fait accoucher à telle heure, c'était 3 heures. En fait, bref, dans la nuit, elle me dit que son corps est malade et mon bébé est où? Que son corps est à la mort et mon bébé est où? On dit que nous-mêmes, on ne connaît pas où ton bébé est parce qu'on ne sait pas qui t'a fait accoucher, à quel moment et tout. C'est toi qui nous dis que c'est elle. Donc, on cherche le bébé dans l'hôpital, rien. On tourne rien. C'est quelqu'un qui dit, vous savez quoi? Même la dame qui est enceinte, moi-même, je ne crois même pas d'abord qu'elle est décédée. Donc, on va seulement aller voir le corps là, dans la morgue là, pour que moi-même je confirme que mon docteur qui me suivait est décédé. Ils arrivent à la morgue, ils ouvrent la caisse, on trouve la femme couchée avec le bébé. Le bébé est décédé. Donc, elle était terrifiée. Tu vas demander le bébé à qui? Aux deux femmes qui t'aidaient. Confusion totale, personne n'est responsable, personne. Tu t'es pas renseigné sur celle qui te suivait avant. Si tu t'es renseigné, on devait dire que la femme qui te suivait au départ, ta grossesse, a fait l'accident, elle est décédée. Et puis, ça devait faire que quand la dame enceinte devait voir cette femme venir faire accoucher, on fait accoucher quelqu'un, la faire accoucher, elle ne devait pas céder, quoi. Donc, elle s'est fait prise comme ça, et puis bon, elle a perdu son bébé, et puis c'est ça. Donc, vraiment, soyons vigilants. C'est que tu as commencé un suivi à quelqu'un, finis avec la personne. Et au cas où tu ne trouves pas la personne, pose des questions. Parfois, la curiosité aussi bien. C'est mal, mais c'est aussi bien. Si elle avait été curieuse, poser des questions, elle n'est pas se retrouver dans le tchouki. L'enfant est décédé. Donc, elle est rentrée à la maison avec le corps enterré, l'enfant. Ouais, ce monde-là. Dites-moi ce que vous pensez. Bien, nous allons écouter encore le témoignage. C'est parti. Alors, ma petite histoire, déjà, c'est pour appeler les gens à avoir toujours le nom de Dieu dans la bouche. Donc, quelle que soit la situation, il faut toujours avoir le nom de Dieu dans la bouche et croire fermement qu'il peut faire quelque chose. Alors, la petite histoire que je vais raconter s'est déroulée à Abidjan parce que moi, je suis gabonaise, mais je vis à Abidjan. Donc, la petite histoire est celle d'une dame qui était enceinte et travaillait dans un salon de coiffure.
Et dans le salon de coiffure, elle n'était pas propriétaire. Elle était employée. Elles étaient deux notamment et la propriétaire. Donc un jour, alors qu'elles étaient en train de travailler, il y a une dame vraiment d'une carrure assez imposante en fait, une dame dont on sent vraiment la richesse, une dame vraiment assise sincèrement. Et donc la dame entre dans le salon comme quoi elle veut se faire tresser. Elle veut se faire tresser et les dames étaient occupées à tresser d'autres femmes en fait. Les deux dames qui travaillent dans le salon étaient occupées à tresser d'autres femmes. Alors, la dame dit, moi, généralement, je ne me fais pas tresser dans les salons, je viens juste pour demander à combien vous faites telle coiffure, mais ce que je veux, c'est que vous veniez me tresser chez moi, à domicile. Et là, la dame dit, bon, comme actuellement, mes employés sont en train de tresser, je vais les envoyer vers vous. Elle dit, non, je ne peux pas partir, je ne peux pas vous donner l'adresse, mais je peux patienter. Quand elles vont terminer, elles vont venir me tresser à la maison. D'accord. Et donc là, les deux dames, quand elles terminent de tresser leur cliente, elles montent dans la voiture avec la femme. Elles montent dans la voiture avec la femme, elles roulent, elles vont. Et puis, elles arrivent vraiment dans une ville, en fait, pour elles, parce qu'elles ne connaissaient pas l'endroit. C'était vraiment loin de l'endroit où elles avaient l'habitude d'être, en fait. C'était dans une autre ville. Et elles arrivent à une grande maison, vraiment luxueuse, grand portail, beaucoup de voitures, etc. Elles rentrent dans la maison. Et là, elles commencent à tresser, on leur a offert des boissons. La dame qui n'était pas enceinte a pris une boisson. Celle qui était enceinte a refusé. Elle a dit, non, moi, je ne veux pas boire, je suis fatiguée, je suis enceinte. Je vais juste tresser et rentrer chez moi. Donc, elles ont commencé à tresser, tresser. Mais elles se rendent compte que, elles tressent, ça ne finit pas. Elles tressent, ça ne finit pas. Ah. L'autre qui a déjà bu la boisson, non, moi, je suis fatiguée. Elles tressent, ça ne finit pas. Elles tressent, ça ne finit pas. Celle qui est enceinte dit que non, ça, c'est quelle histoire? On est déjà au milieu de la tête. On se rend compte qu'on est encore derrière à un moment donné quand même. Donc, celle qui avait bu la boisson dit, moi, je m'en vais m'étaler un moment sur le sofa, continuer à tresser. Celle qui s'est étalée là, elle ne s'est pas réveillée en fait. Elle ne s'est pas réveillée. L'autre s'est peut-être dit qu'elle dormait. Et donc, l'autre en tressant, celle qui était enceinte, elle dit, ah Seigneur, c'est quelle histoire, non, Jésus, pardon, viens me sortir de là. J'aurais parlé en fait. Et du coup, quand elle a dit Jésus, elle s'est retrouvée au bord de la mer. Subitement, elle se retrouve au bord de la mer, mouillée, les habits mouillés et tout. Elle ne comprend pas. Les gens voient une personne au bord de la mer, étendue, machin. Elle est enceinte. On demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit, mais en fait, elle ne comprend pas. Les gens, elle regarde et puis elle a vu sa photo des gens en habit de recherche. Il paraît que ça fait un mois qu'elle était partie. Donc, de là, elles ont suivi une dame qui les a emmenées dans l'eau. Elles sont allées dans l'eau. Parce qu'elles ont suivi une dame, elles sont allées dans les profondeurs des eaux. Et c'est le nom de Jésus parce qu'elle a simplement dit qu'elle voulait terminer la coiffure et en voulant terminer la coiffure, elle a dit, ah Seigneur, sors-moi de là. C'est qu'est-ce qu'on fait qui ne termine pas. Elle, pour elle, peut-être c'était une banalité. Mais le fait d'avoir dit le nom de Jésus l'a sorti de là, en fait. Donc, elle se retrouve au bord de mer, on a appelé les gens, elle a essayé de donner le nom de ses parents, mais les gens ont dit que ça faisait un mois qu'elle était partie sous l'eau. Donc, la petite histoire, c'est pour dire que vraiment, j'appelle tout le monde à avoir le nom de Jésus dans la bouche, quelles que soient les circonstances. Même lorsque vous pensez que la situation est difficile, même si vous avez l'impression que vous le dites de manière vaine, ça peut grandiosement vous sauver. Alors, c'était ma petite histoire. Oui, vous avez entendu ça? Ayez le nom de Jésus-Christ dans votre bouche. Vous avez parlé de la situation terrible ou encore inconnue, appelez Jésus. Le nom de Jésus sauve. Jésus est mon seul sauveur. Ha! Bien, nous allons écouter encore nos témoignages, c'est parti. Il y a une histoire à raconter. Voilà. C'est à propos de l'histoire de la Est-ce que dame tu peux baisser le volume de la qui venait de télévision, passer. s'il te plaît? D'accord. Bon. Oui, c'est bon là. C'était à propos de l'histoire de la dame qui vient de passer concernant les enfants qu'on va chercher au village. Mon histoire, c'est celle de ma tante. Je suis ivoirienne. Et ma tante, elle avait ramené du village une petite fille de 7 ans. Maintenant, moi, je suis allée là-bas en vacances avec ma fille. Quand nous sommes arrivés, bon, la petite était là, une petite très têtue. Très, très, très têtue. C'est-à-dire, la petite, quand tu lui demandes de faire quelque chose, elle refuse de le faire. Et souvent, elle te met à bout de nez que, même quand tu es énervé, quand tu viens en face de la fille, que tu veux la taper, mais que tu n'arrives pas. C'est-à-dire que la petite te fait pitié, mais que tu n'arrives même pas à la taper.
Donc, un jour, elle est sortie avec ma fille. Et en revenant, il y a une moto qui a coigné ma fille. Ma fille avait 4 ans de là. Il y a une moto qui l'a coignée. Donc, ma tante lui a dit, qu'est-ce que tu... Dans le musulman, ma tante lui a dit, si tu sais que tu as une sorcellerie, que tu dois donner quelqu'un, tu as crédit sur toi là, c'est pas enfin des gens que tu vas donner là-bas. Hein. Dans le musulman comme ça. Donc moi, je me suis fâchée contre elle. J'ai voulu même la taper. Je t'ai dit, ah, j'ai déjà la petite, tu t'es dit de ne pas sortir ma fille. Tu sais, elle, pourquoi elle est petite, tu comme ça. Donc, ce jour-là, je suis allée m'asseoir. Un coup, comment j'ai eu de la fièvre. J'ai eu de la fièvre. Et dans la musulman aussi, je suis revenue vers la fille. Elle dit, ah, je t'ai tapé, mais j'ai la fièvre. Je vais me coucher. À mon réveil, il faut que cette fièvre-là, ça baisse. Sinon, je vais te montrer que moi, je suis plus sorcier que toi. Et je vous le jure que je me suis réveillée, la fièvre avait baissé complètement. J'ai rien la fille jusqu'à... J'ai rien dit. Jusqu'à ma tante a commencé à se sentir mal. Ma tante a commencé à se sentir mal. Un soir, son mari m'a envoyé aller acheter une soupe pour lui. Donc, comment je sortais, j'ai pris la soupe et j'ai remis à la petite. Tiens, va donner ça à tonton. Le tonton, il a mangé et le reste, ma tante, elle a pris. Ma tante a fini de boire la sauce. Et au fond de la soupière, on voit une aiguille. Ma tante m'appelle. Qui est parti acheter la sauce là? Il dit, ah, c'est tonton m'a envoyé d'aller acheter, mais Rémi à la petite pour venir donner. Elle monte à son mari. Et fait qu'il y avait une aiguille, la grosse aiguille, même de 50 francs, mais sont venus, pas une petite. Mon tonton demande la petite dit non, qu'elle a pris ça chez la vendeuse comme ça. On va chez la vendeuse dit, la personne que vous avez envoyée venir prendre la demander lui bien. Parce que si c'était les mèches, je pouvais comprendre, mais une grosse aiguille comme ça en bas de la sauce, en tout cas, ça vient pas de chez moi. On a tout fait demander la petite se joue les innocentes comme si elle ne savait rien. Donc c'est passé. Ma tante souffrait. On allait chez les féticheurs, on allait chez les guérisseurs, essayer de la tuer. Ça n'allait toujours pas. Donc son fils a fait venir un prêtre du Libéria pour elle. Le prêtre, dès que le prêtre est arrivé de la maison, il a vu la petite. Il a demandé, c'est l'enfant de qui? Ma tante a dit non, que c'est l'enfant de son beau-frère. Il a dit, ah, que la petite fille, vous voyez, c'est pas une petite fille, c'est une grande fille, vous voyez, comme ça, spirituellement, c'est une grande fille qu'elle a. Donc, il a fait venir la petite. Et il a dit à la petite, tout ce que tu es en train de faire là, si tu ne dis pas là, ça va pas aller bien pour toi. La petite, elle parlait Yakuba. C'est une langue ici, elle ne comprenait pas le français, c'est le Yakuba seulement qu'elle parlait. La petite a commencé à dire quoi, que non, qu'elle n'a rien à voir, c'est pas de quoi on parle. Donc, le prêtre en question, il a mis ses deux doigts au-dessus des yeux de la petite. Qu'elle a mis ses deux doigts là, la petite a crié, elle est tombée, elle a dormi jusqu'au soir. Le monsieur, il a attendu, hein, jusqu'au soir, la petite s'est réveillée. Ils l'ont fait venir au salon, dit, si tu ne confesses pas, quelque chose va t'arriver. Et ça, la petite dit, non, qu'elle ne peut pas parler. On dit, tu vas parler. Elle dit, si elle parle, non, ils vont la tuer. On dit, mais tu vas parler. C'est là, elle a dit, ah, que elle est quittée au village avec la sorcellerie. C'est sa camarade là-bas qui lui a donné cette sorcellerie-là. Que maintenant, c'est à son tour, elle doit donner quelqu'un, c'est pas qui va donner, c'est notre tante là qu'elle a décidé de donner. On dit, mais tu l'as donné comment? Elle dit non, qu'ils ont enlevé son cœur, qu'ils ont déjà enlevé son cœur, mais ils l'ont pas encore tué. C'est là le prêtre lui a dit, le cœur que tu as enlevé là, tu peux nous montrer où le cœur est, il faut prendre le cœur pour envoyer. Elle dit non, qu'elle ne peut pas prendre le cœur. Qu'est-ce qu'elle veut prendre le cœur là, sa camarade et les autres vont la tuer, elle ne peut pas prendre le cœur. Le fait, le prêtre dit non, que tu vas prendre le cœur, tu vas envoyer le cœur là, on a besoin du cœur. Il faut qu'elle se rétablisse, tu vas prendre le cœur. La petite, non, qu'elle ne peut pas prendre le cœur. On a commencé à prier pour ma tante, on a commencé à prier pour elle. Jusqu'à Dieu merci, ça a commencé à aller bien, ça a commencé à aller. On lui a donné, le prêtre lui a offert une chaîne qu'elle devait mettre sur le cou pour garder la foi. Donc ça allait bien, nous, après les vacances, nous sommes rentrés. On allait vers le mois de décembre, début décembre, moi j'ai causé avec elle. Ah, que tante, tu vas venir à Abidjan, venir fêter avec nous. Elle dit oui, que les sorciers ont voulu me tuer, mais ça va. Ah, quelques mois après, on voit que la dame a rechuté. Dans le mois de décembre, encore, elle a rechuté. Et là, on a appelé encore le prêtre. Le prêtre dit vraiment que là, il n'y a plus rien à faire. Parce qu'on a prié pour elle, elle n'a pas pris la prière au sérieux. Et là, au niveau où ça arrivait, nous, on ne peut rien faire pour elle. Malheureusement, le 27 décembre 2017, ma petite maman, elle est décédée comme ça. Donc vraiment, c'est une leçon. Les petites qui quittent au village, là, on ne sait pas, elles ont quel esprit, elles viennent avec quel esprit. Vraiment. Sa mort nous a vraiment choqués. Et puis nous, on avait fait répartir même la fille au village, qu'elle a fini de confesser. On l'a fait répartir au village. C'est ce qui m'a fait mal même. On ne devait pas la faire répartir au village. Elle devait rester près de nous pour qu'on puisse bien la surveiller. Elle est partie. Et là, maintenant, elle a eu vraiment ma tante.
En tout cas, soyons vigilants, il faut qu'on prie beaucoup. C'est la prière qui l'avait sauvée, après elle a négligé la prière et voilà où elle en est aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Waouh! Il faut vraiment rester très très concentré. Très très concentré, ne pas être distrait de cette vie. Les agents du diable sont partout. Restez vigilants. Bien, nous allons écouter encore un autre témoignage. C'est parti. Oui, bonsoir. Je vais expliquer l'histoire du bœuf qui est venu faire caca dans la maison de mon oncle et puis il est mort. L'histoire se passe à Port-Boué. Port-Boué, c'est une commune d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est une cour familiale, nous tous on est là dans la cour, chaque soir nous tous on est assis. Chaque matin, chacun va vaquer à ses occupations et puis bon, on vient. Donc, dans la cour là, j'avais une autre passion. On vit en famille. On vit pas en famille, mais on a des cours familiales. Mon côté maternel et puis mon côté paternel. Donc, l'histoire que je compte là, c'est passé. Toutes ces histoires là se passent toujours de mon côté maternel. Donc, on a assis, il y a ma cousine là. Un matin, elle est tombée. Elle est tombée du lit, on l'a trouvée couchée à terre. Son cou était déplacé. On lui demande, mais tu as quoi? Et puis c'était un 1er janvier, hein, DMG plutôt. C'était un 1er janvier, elle est couchée, on lui demande, qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, la nuit là, mon oncle, j'ai dit, il est venu annoncer la mort de mon grand-père, là, sorcier qui est au village, là. C'est son papa. Elle dit son papa est venu la prendre la nuit pour s'envoler avec elle. Genre, il veut l'initier, quoi. On dit, il est venu te prendre comment? Elle dit, non, il est venu, mamie, il était comme un épervier, puis mamie, sur ses ailes, là, il s'envolait, puis je l'ai mordu, il m'a laissé tomber. C'est ça, mon cou, là, est déplacé. C'est ça, mon cou est déplacé. Toujours, il y avait des histoires comme ça dans la maison. Donc, un soir, vers les 16 heures, on était assis dans la cour. Une cour qui est clôturée. C'est pas pour dire que c'est un quartier où il y a des bétails qui passent ou bien il y a des bergers. Non. On était assis dans la cour. On voit un bœuf noir qui est rentré dans la cour BNG. Le bœuf est rentré dans la cour, ça nous a dépassé. Nous tous, juste on s'est rentré dans le salon, dans la maison. Ça fait 3 cacas au salon. Genre les cacas comme les foyers du village, tu vois, on place un caillou, deux cailloux, 3 cailloux, les foyers du village qu'on cuisine dessus là. Le bœuf a fini de faire les cacas. Le bœuf est rentré dans chaque pièce de la maison pour vérifier, pour chercher. Juste qu'il est parti rentrer dans la chambre conjugale de ma tante là, parce que c'était le mari de ma tante, elle était dans son foyer, donc nous on était allés chez elle. Le bœuf est parti, ça a chié sur le lit et le bœuf est sorti. De toute façon, il est rentré, le bœuf est sorti comme ça pour repartir. Donc on était là, les gens ont poursuivi, sont sortis derrière le bœuf. Où est le bœuf? On arrive dehors, on ne voit pas le bœuf. Aïe, on demande aux gens du quartier, mais il y avait un bœuf qui est passé, qui est rentré. Tout le quartier, on a arrêté le quartier. Le bœuf est sorti tout à l'heure. Un bœuf noir qui est venu faire caca 3 fois dans le salon. Et il est rentré dans la chambre. Il a fait caca sur le lit conjugal de monsieur et madame. Et le bœuf est sorti. On ne voit plus le bœuf. C'est dans ça là. On était là. Voilà le petit frère le petit frère du mari de ma tante là. Qui est rentré. Quand le bœuf est parti, lui, il est rentré. On lui demande, mais toi, tu étais au village, comment tu as fait, puis tu es arrivé à Abidjan? Un coup comme ça, on voit un bœuf qui est rentré, un bœuf qui a chié ici, et puis le bœuf est sorti, toi, tu viens en même temps. La réponse qu'il va donner, il dit, j'ai échappé, que c'est pas facile. J'ai échappé. Dieu merci, j'ai réussi à ma mission. On lui demande, quelle mission? Il dit, c'est qui est-ce? Lui n'a rien à dire, qu'il veut partir au village. Effectivement, DMG, le monsieur, le matin, il est parti au village. Ça n'a pas duré. Le même soir, là, son frère est décédé. Ça dit, le mari de ma tante, là, il est décédé.
Donc, ça peut dire que la sorcellerie, là, elle existe vraiment bel et bien. La sorcellerie existe. Ça veut dire que c'est le gars, là, le petit frère du monsieur qui s'est transformé un peu pour venir chier dans la maison et puis il est parti. Tu vois? Donc, faisons très attention. La sorcellerie existe bel et bien. Les gens se transforment en toutes choses pour venir nous atteindre. Pour venir nous atteindre. Donc, faisons très, très, très attention. Ça, c'était la première histoire. Je vais expliquer l'histoire d'un village en Côte d'Ivoire qu'on appelle Soutilé, le village maudit. En Côte d'Ivoire, il y a un village, cette histoire-là, tous les Ivoiriens, je pense que les Ivoiriens la connaissent. Il y a un village en Côte d'Ivoire, un village d'une ethnie qu'on appelle les Agni. En Côte d'Ivoire, qu'on appelle Soutilé. Le village, là, s'appelle Soutilé. Donc, on a surnommé le village, là, Soutilé, le village maudit. Dans le village, là, tout le monde était méchant. BNG. Tous les villageois, ce village-là, tous les habitants du village étaient tellement méchants que leur méchanceté a pris la renommée de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Donc, un jour, il y a un génie qui s'est transformé en un mendiant pour aller dans ce village-là. Et il a commencé à faire de porte en porte pour demander de quoi à boire et à manger. Les villageois, d'autres le chassaient avec le bois, d'autres le lapidaient, les gens le chassaient. Faut partir là-bas, tu sens mauvais. Jusqu'à, il est parti jusqu'à la dernière cage. Comme on dit toujours, il y a une exception à toute chose. C'est à la dernière cage qu'il a trouvé une jeune fille pour lui dire que ah, j'ai faim. Depuis, je viens d'un village lointain, j'étais de passage et puis, comme j'ai faim, j'ai soif, je suis rentré dans votre village, je veux que vous me donniez à manger et à boire. La fille dit, d'accord, faut t'asseoir. Elle lui a servi à manger, elle lui a servi à boire. Elle dit, tu vas dormir ici. Elle lui a donné une chambre pour se reposer. Comme il fait tard, tu ne peux pas continuer, il faut te reposer. Demain, tu vas continuer ton voyage. Le monsieur a dormi dans la nuit. Vers les 5 heures du matin, il s'est levé. Il a dit à la fille, « Faut prévenir tous tes parents, toute ta famille de quitter ce village-là avant la levée du soleil. » Donc la fille, elle s'est levée, elle a prévenu tous les villageois que ah, quitter le village, que le monsieur qui est venu là, il dit de quitter ce village-là, qu'il y a un malheur qui va s'abattre sur ce village-là. Il y a un malheur qui va s'abattre que avant le lever du soleil. Les gens disent, « Oh, pardon. » C'est les mendiants menteurs, les gens menteurs, les gens ont négligé. Donc, elle a pris juste sa famille et puis ils ont quitté le village. Quand ils sont quittés le village, ils sont partis. Le village, là, tous les habitants, si tu étais en train de piler ton riz, tu étais en train de préparer ta sauce, toute la position que tu es dedans, là, c'est comme ça, tu restes. Tous les villageois sont devenus des pierres, cailloux. Tous les villageois sont devenus des pierres et ce village-là existe aujourd'hui. Ça dit que le mendiant a rendu tous les habitants de ce village-là des pierres en mystique. Donc, quand tu te lèves et puis tu dis, je m'en vais voir le village-là, tu ne vois pas. Mais quand tu vas comme ça, de passage, tu peux voir le village-là et là. Le village existe. Donc, ça peut dire que, d'une part, il est quand même bien de ne pas rendre service aux inconnus, à tout le monde. Mais la méchanceté aussi, là, ce n'est pas une bonne chose. Quelquefois, quand une personne vient te demander à manger, tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas d'où il vient là. Même si tu n'en as pas là, le peu que tu as là, il faut partager avec lui. C'est quand même bon de partager dans la vie. Wow! Il faut juste avoir l'esprit de discernement. Bien, écoutons que notre voyage ne soit hors du commun. En fait, moi, j'ai une petite histoire à raconter. J'ai pas compris très bien ce qui s'était passé. Et tout. Ça s'est passé la semaine dernière. J'étais sortie avec mon fils. On prenait le bus. J'avais des rendez-vous, donc on a pris le bus. On était arrêté à l'arrêt du bus. Et il y a un bus qui est passé. Il s'est arrêté. Et il y a un fou qui est sorti du bus. De là, il avance très vite vers moi. Moi, je pensais qu'il voulait ramasser quelque chose par terre. Donc je le regarde, je l'observe, j'essaie de voir ce qu'il veut. Il se rapproche de la poussette et il touche le pied de mon fils.
Il touche 3 fois le pied de mon fils et après il touche son genou. Je le regarde, je ne comprenais pas, j'étais choquée en fait. Et de là, je lui ai dit je rêve. Mais je n'ai rien dit en fait. Sur le coup, je n'ai rien dit tellement que j'étais choquée par rapport à la situation. Il s'est levé et puis il est parti. Donc j'ai trouvé ça très bizarre. Voilà l'histoire. C'était bizarre en fait. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, en fait, on dit souvent les fous ne sont pas fous. Et tout, donc ça m'a fait très peur, quoi, mais c'était bizarre. Mais écoutons un témoignage assez triste. J'ai perdu ma maman dans des conditions vraiment compliquées. Très, très compliquées. Je viens du Gabon. Je vais taire le nom par distraction. Je vais taire le nom de ma maman et taire aussi mon nom également. Chez nous en Afrique, c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Nous naissons dans des familles un peu bizarres. Bon, moi j'ai perdu ma maman. J'avais 12 ans. C'est la petite soeur de ma maman qui m'a élevée. On a grandi avec elle, pas dans les conditions bien. C'était vraiment, les conditions étaient vraiment déplorables, si on peut dire ça comme ça. Non seulement spirituellement et physiquement aussi en même temps. C'était très compliqué. Par la grâce de Dieu, nous sommes sortis de là. Parce qu'on a grandi avec la petite sœur de notre maman là qui nous a élevés, mes sœurs et moi. Physiquement, c'était compliqué. Spirituellement, c'était encore plus compliqué. Bon, comme on a grandi, on a essayé d'aller dans les églises. On a eu des suivis spirituels et tout. Partout où on allait, c'était toujours... C'était compliqué pour nous spirituellement. Côté école, intelligence était complètement bloquée. Même pour avoir une relation bien, c'était compliqué. Et quand on partait dans les églises, c'était toujours, si ce n'est pas le nom de notre maman là qui sortait, c'était toujours le nom de son mari. En 2019, on a fait la connaissance d'une dame spirituelle qui nous suivait spirituellement. Elle nous suivait spécialement, elle nous disait ce qui n'allait pas dans nos vies. Parce que même pour avoir une relation, ce n'était pas facile. Tu peux être dans une relation aujourd'hui, demain, sans rien comme ça, là, la personne te lâche. Donc c'est comme ça, on s'est mis dans les prières, les suivis spirituels. Et notre maman spirituelle nous disait, non, votre mère là, elle également, elle est utilisée. Elle ne fait pas ça d'elle-même parce que la personne qui est derrière tout ça, bon, son mari, joue aussi avec elle parce qu'il utilise aussi. Il va vous atteindre parce que vous n'êtes pas ses enfants. Vous êtes les enfants de la sœur de sa femme. Donc, il ne peut pas directement vous atteindre. Il passe par elle pour vous atteindre. Donc, c'est comme ça, on a vraiment persévéré dans les prières, mes sœurs et moi. On a persévéré vraiment fort dans les prières. Jusqu'à ce qu'il n'avait plus accès. Il n'avait plus accès à nous. Et comme il a vu qu'il n'avait plus accès à nous, il s'est maintenant abattu sur elle-même. Là, en février, là. Avant ça, d'abord, 2022, elle est tombée malade, gravement malade. On nous a appelé pour dire que oh non, ça ne va pas parce qu'elle est tombée, donc elle ne respire plus, elle ne bouge plus, elle est à l'hôpital. Comme ça, on s'est levé chacune de nous. On allait à l'hôpital, on a fait les soins, tout. Elle est revenue en elle, on l'a ramenée à la maison. Le mois de février, nous sommes à la maison. C'est vraiment compliqué, c'est long à expliquer. Là, je rentre même là dans les détails juste. Le mois de février, là, on nous appelle, je suis à la maison, on m'appelle pour dire non, ta maman est tombée. Elle est tombée dans la forêt, elle ne bouge plus, puisqu'elle est allée au campement. Elle est tombée, elle ne bouge plus, elle ne respire plus. Je dis comment ça, elle ne bouge plus. Elle ne respire plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mes frères sont venus, ils m'ont pris, nous sommes allés dans la forêt. Là où elle est tombée. Comme ça m'a vu là-bas, elle était comme quelqu'un qui était endormi. Comme quelqu'un qui était endormi, j'ai dit non. Je ne crois pas qu'elle soit décédée. On va quand même prendre
on va quand même l'amener à l'hôpital. C'est comme ça, on l'a pris, on l'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin est venu. On n'a même pas pu rentrer avec elle dans la salle. Le médecin l'a examiné dans la voiture. Il a dit non, elle est partie. Comme ça, on a pris le corps, on l'a amené à la morgue. Le dessin même, c'était compliqué. Les temps de vie, même quand on faisait, c'était compliqué. Jusqu'à, on a... Le dernier jour même, le mari n'est même pas arrivé. Comme chez nous, on fait le veuvage. Quand tu perds ton concubin ou ta femme ou ton époux, si c'est toi la femme, tu dois faire le veuvage. C'est l'homme, l'homme également fait le veuvage. Il n'a même pas fait le veuvage. Il n'est même pas arrivé où le corps était exposé. On a enterré la maman. Elle avait laissé son numéro, sa puce, et la belle-fille, ma belle-sœur, qui utilisait son numéro. Et sa petite-fille, la fille de mon frère, qui est tombée malade, qui était malade pendant le décès, elle a appelé ma belle-sœur sur son propre numéro pour dire que c'est moi, elle donne son nom. C'est moi, j'ai appelé pour savoir si vous allez bien. Est-ce que ma petite-fille se porte bien? Parce qu'elle a la fièvre. Ma belle-sœur m'appelle et me dit, voici. Il y a maman qui m'a appelé sur son numéro. Je dis non, c'est pas croyable. Elle me dit si. Il y a maman qui m'a appelé pour prendre de nos nouvelles. Je dis non, c'est pas vrai. Le lendemain encore, sa petite sœur de la mère de fin de maman, m'appelle pour dire que non, là on ne comprend plus ce qui se passe. Elle vient à peine de nous m'appeler. Là où je te parle, là je stresse. J'ai les frissons, j'ai la chair de poule. Elle vient de m'appeler, elle me dit, elle se trouve dans tel village. Elle me donne le nom du village, tel le nom du village par discrétion. Elle se trouve dans tel village, elle vient de m'appeler pour prendre de nos nouvelles. C'est comme ça que je dis, ah, ça ne sert à rien donc d'utiliser encore la puce. Elle appelle, c'est parce que c'est sa puce, donc c'est mieux de casser la puce et de ne plus, pour qu'elle n'appelle plus. Elle a peut-être appelé comme ça pendant... 2 semaines, ils étaient obligés de prendre la puce et casser la puce et jeter. Je parle là sur une histoire de février, là. Ça s'est passé là en février. Prochainement, je vais rappeler pour vraiment donner bien les détails. Là, je suis encore un peu sous le stress, et la peur et un peu le choc aussi. Donc, prochainement, je vais appeler pour bien raconter. Pas en live, je vais faire l'audio pour bien parler, pour bien détailler l'histoire. D'accord. Waouh. Bien, donc tu connais le témoignage. Dans la naïveté, quand j'ai accouché ma première fille, j'avais 18 ans. J'ai accouché l'enfant. J'ai commencé à faire les vaccins à l'enfant. Il manquait le dernier vaccin qu'on dit, et le vaccin de la rougeole, contre la rougeole. Je prends l'enfant le matin, j'avais le rendez-vous à l'hôpital avec l'enfant. Je prends l'enfant, je lave l'enfant, j'habille l'enfant. Je prends la serviette, je mets sur l'épaule. J'attrape l'enfant, comme à doigt là, il fait chaud. J'ai mis une petite salopette à l'enfant avec les chaussettes et les petites chaussures. Voilà, maintenant je prends la moto, j'arrive au niveau. L'hôpital se trouve à Grand Moulin. Tout juste à l'entrée, entrée Grand Moulin, et il y a un centre de santé là-bas, à l'intérieur. Pas trop de détails, s'il te plaît. Pas trop de détails, juste l'hôpital, c'était bon. Non, je ne dois pas donner le nom de l'hôpital, mais les gens qui sont peut-être aux alentours, ça peut aider les gens. Ça peut les aider. Pourquoi? Parce que cette dame-là était au niveau, elle était tout juste sur la route de l'hôpital-là pour faire ça aux enfants, pour faire ça aux mamans des enfants. Donc, quand je dis comme ça, ça peut aider les gens, mais je ne dois pas donner le nom de l'hôpital, puisque j'ai même déjà oublié le nom de l'hôpital. Oui. Donc, au niveau de là, non, ce n'était pas au niveau du cimetière, avant le cimetière, avant, encore un peu en bas. Voilà maintenant que j'arrive à l'entrée,
je descends la moto. Je suis en train de descendre l'entrée pour aller à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital puisque c'était même d'abord un bon hôpital. C'était un bon centre de santé. Les gens accouchaient. Les gens accouchent beaucoup là-bas. Les gens vraiment ont mis vraiment le muscle parce qu'il fait vraiment du bon travail. Voilà, maintenant j'arrive. Je suis en train de descendre la colline pour aller faire le vaccin de l'enfant. Il y a une maman qui était, dont les gens passaient pour aller au marché. La maman là aussi, elle avait le sac du marché à la main. Bon, elle-même, elle est en train de marcher. Les gens sont en train de me traverser, elle-même, elle me traverse. Si naïve, si petite, je traverse, je descends jusqu'à, j'arrive. J'étais très, très loin d'elle, très, très loin d'elle, parce qu'elle ne voulait pas faire ça devant les gens. Je vois, elle est là, elle traîne les pas, elle marche. Moi-même, je suis là, je traîne les pas doucement, je suis en train de marcher puisque je partais seulement faire le vaccin et rentrer à la maison. Bon, je n'étais pas pressée. Je traîne les pas, je marche doucement, j'ai l'enfant là à la poitrine, au rein, je marche doucement. Mais dès que j'arrive à un certain niveau, toutes les femmes qui m'ont traversé là étaient déjà parties. Mais la dame était toujours là, elle traînait les pas. Parce qu'elle ne voulait pas faire le geste devant les femmes là pour que ça puisse attirer l'attention des mamans. Je quitte maintenant, je suis en train de marcher, j'entends la dame, elle est si loin. Elle dit, madame, madame. Je suis en train de partir. Elle dit, madame, madame, j'étais loin. Elle dit, madame, madame, je me tourne. J'ai dit, moi. Elle dit, oui, toi. J'ai dit, oui. Elle dit, attends, je viens. Elle descend maintenant, elle arrive. Elle me dit, quand tu te lèves, quand tu prends l'enfant pour aller à l'hôpital. J'ai dit, oui. Elle dit, il ne faut pas souvent laisser le pied de l'enfant dehors comme ça. En disant, il ne faut pas laisser le pied de l'enfant dehors souvent comme ça, parce que si quelqu'un touche l'enfant, ça peut faire quelque chose à l'enfant. Elle fait comme ça en touchant l'enfant. Je dis, ah maman, merci beaucoup, j'ai compris pour les conseils. Bon, mais mon cœur n'était pas tranquille. Je m'en vais à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital, les sages-femmes qui sont là, je leur dis, ouais, il y a une femme qui a touché mon enfant là-bas, mais vraiment, je ne comprends pas. On dit qu'elle a fait comment? J'ai expliqué. La dame, les sages-femmes ont dit, ah, on ne sait pas. Quand je suis arrivée à la maison, l'enfant a commencé. Je me suis dit que c'était le vaccin. L'enfant a grossi. L'enfant est devenu comme le ballon. L'enfant ne s'asseyait plus. Un enfant qui marchait, elle ne s'asseyait plus. L'enfant restait seulement couché. 2 jours, l'enfant a changé, l'enfant est devenu jaune. Voilà, maintenant on me dit, je suis parti à l'hôpital avec l'enfant. On a demandé les examens, on a fait les examens, on dit on ne voit rien. Mais le sang ne fait que finir sur l'enfant. On me demande, j'ai dit, mais il y a une femme qui a touché l'enfant. Parce que ma tête était que rien que là. Même quand on faisait même les examens, je ne faisais que dire ça au docteur. On me dit, mais quelqu'un vient toucher l'enfant et tu laisses la personne toucher l'enfant comment? J'ai dit, elle a parlé directement, elle a touché l'enfant. Elle ne m'a même pas laissé le temps, quoi. C'est où? Bon, les docteurs, bon, ils ne voulaient pas entrer dans les trucs mystiques, là. De mon côté, maintenant, c'est où maintenant? Et ma mère dit, il faut qu'on sorte alors. On sort avec l'enfant. On dit, la dame là s'est connectée à l'enfant, donc mystiquement. L'enfant était gravement malade, que l'enfant ne s'asseyait plus. L'enfant même, je ne sais même pas, parce que j'étais si petite que je ne connais même pas comment je peux encore expliquer comment l'enfant réagissait. On a soigné l'enfant, on a pris peut-être 2 mois pour soigner l'enfant. Dès que l'enfant, ça allait déjà, une nuit, je suis couchée à la maison avec l'enfant. Dans la nuit, on appelle ça quoi? L'araignée. Grosse araignée comme ça,
qui vient encore se poser sur l'enfant. Quand ça s'est posé, c'est que l'enfant a encore repris encore la même maladie la nuit là. Pendant 2 mois encore, on a dit maintenant il fallait qu'on déconnecte d'abord la femme là avec l'enfant avant de soigner maintenant l'enfant à nouveau. Donc c'était moyen de tirer l'attention à la dame là que elle ne devait pas laisser le fou peut-être toucher l'enfant. Il peut être fou et qu'il n'est pas fou. Il peut se déguiser en fou et qu'il n'est pas fou. Bon, c'est un peu l'idée là parce que moi-même j'ai souffert. J'ai failli perdre mon enfant dans ça. Les gens qui sont là pour rire là, nous sommes ici là pour donner les idées et aider les gens. Donc ce n'est que ça. Waouh, dites-moi ce que vous en pensez, les frères et sœurs. Bien, écoutons encore le témoignage. Je viens raconter une histoire que j'ai vécue, pas que j'ai vécue personnellement, mais voilà, c'est une histoire qui s'est passée devant moi. En fait, il y avait une maman au quartier, une jeune maman qui n'avait pas fait d'enfant. Une fois, elle a décidé de partir prendre une petite fille dans une autre ville. L'histoire se passe au Cameroun. Elle est partie chercher une petite fille avec qui elle devait vivre et prendre cette fille vraiment comme son enfant, donc avoir de la compagnie. Vu qu'elle n'avait pas fait d'enfant, elle était seule. Elle est venue avec cette petite fille-là, mais sauf que cette petite fille-là, c'était une fille sorcière, on va dire. Une fois, elle était au carrefour avec sa fille, on va dire sa fille. Il y a une autre dame qui dit, madame, je vais citer par exemple madame Albertine, voilà. Madame Albertine, où est-ce que tu as pris cette petite fille-là? Cette fille-là, c'est une grande sorcière. Elle était dans l'autre ville-là. Et puisque, voilà, de façon anodine comme ça, elle dit, mais pourquoi cette personne me dit des choses pareilles? Et la dame avait remarqué que depuis qu'elle avait pris cette petite fille-là à la maison, les choses ne marchaient pas en fait. Rien ne marchait, même au lieu de son service, ses patrons l'avaient toujours aimé. C'était devenu vraiment très compliqué. Ce qui a été beaucoup plus choquant d'IMG, il y avait... Leur voisine, je crois, elle avait 3 enfants. Ses enfants tombaient malades. Et la scène qui m'a choquée, DMG, moi-même, j'avais vécu cette scène-là. Une midi, vu que la dame l'avait inscrite dans la même école que sa voisine qui avait 3 enfants. Et il fut une période de... Les enfants de cette dame étaient tellement malades, les 3 autres étaient tellement malades, les maladies s'enchaînaient. Un après-midi, ils sont rentrés de l'école ensemble, vu qu'ils fréquentaient la même école. DMG, imagine ce que la petite fille dit à l'une des enfants de la voisine. Toi qui es malade, tu es couché là. Moi, j'ai vécu ça, DMG, ça m'a tellement traumatisée. Elle dit, toi qui es malade, qui es couché là. Bientôt, ça serait ton frère. Comme ton frère montre ses dents-là. Bientôt, ça serait toi. On va dire peut-être Junior. Après ta soeur-là, Junior, après, ça serait toi. Comme tu montres tes dents-là. La jeune dame-là, elle n'a pas vraiment pris les paroles de la fille-là à la légère. Elle a tellement bousculé cette petite-là que même si tu sors n'importe où, même si tu sors, je ne sais d'où tu sors. Tu vas soigner mes enfants. Je vais te montrer que je suis plus sorcier que toi. On a tellement menacé cette petite-là. C'est après cette histoire qu'on a su que cette fille-là, c'était vraiment... C'était une grande sorcière. Et j'avais remarqué quelque chose en cette petite fille-là. Elle ne ressemblait pas vraiment à un enfant. Parce que même sa façon d'agir, ses gestes... Je sentais que c'était une vieille... C'est une vieille maman qui était emballée dans le corps d'une petite fille. Donc pour la leçon à retenir que nous qui prenons les enfants des gens,
3 minutes dans nos maisons, soit disant qu'on n'a pas accouché et tout, on a besoin de la compagnie. On peut soit, on va juste prendre le serpent pour mettre dans notre maison. Cette petite fille-là, elle ne ressemblait pas vraiment à un enfant. Tout le monde se... Donc, il y avait toujours au moins une personne qui disait que cet enfant ne ressemble pas vraiment à un enfant. Elle n'a pas vraiment, comment est-ce qu'elle veut dire, l'innocence des enfants. Donc, c'est ma petite histoire d'IMG. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Waouh! Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Certains enfants ne sont pas des enfants. Des esprits parmi nous. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ha! Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous et restez connectés.